on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Finalement, je réallume la caméra. Je vais aller continuer la balade. En fait, je vais aller faire une balade de mon côté parce qu'on n'a pas fait notre quota des 4 km. Je vais apprendre les 50 km qu'on a fait depuis qu'on a utilisé Nikron. On va voir si ça capte bien ici parce que j'ai un petit problème de GPS, mais on verra bien. Donc voilà, je l'emmène avec nous. On va aller voir un petit peu comment est le bois de Boulogne dans la partie non-look. Canin, pensez à prendre comme la One Is One toujours des petits sacs à dos plutôt que des tote bags, parce qu'une fois que je les ai sur l'épaule, ça glisse tout le temps quand je fais de la canine marche. Donc voilà. En tout cas, c'est vachement sympa ici. Il y a de plein de beaux arbres. Donc ce genre d'arbres, des pins sont vachement beaux. Donc on va essayer de faire un petit tour global. On verra ce qu'on va trouver en cours de route. Et peut-être qu'on reverra d'autres indices de la Doggy Pole Express qu'on n'avait pas fait, parce qu'il y avait beaucoup plus d'indices que on n'a pas eu forcément besoin de le faire en fonction du parcours qu'on a fait. En tout cas, je pense qu'on a l'air d'être arrivés les premiers, donc ça, c'était vraiment cool. J'avais une super équipe. Pas peur, Alexis, c'est un copain. Bon, n'ayant pas prévu à la base de faire la canimarche, j'ai pas du tout pensé à prendre ni le harnais ni la laisse de canimarche, mais bon, on va faire ça tranquillement, c'est pas grave si elle a un peu des accos au niveau du cou puisqu'elle ne tire pas plus que ça. On fait une balade rapide, on va dire. Thank you.
truc que j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure, on a eu la chance de voir Akina et Audrey, parce que j'avais oublié de, qu'elles étaient comment dire, partenaires de Assuropol, qui était aussi un des partenaires qui organisait la de Kipoil Express. Et aussi à un moment donné, on a fait un parcours de slalom, donc j'ai filmé Dumbo en train de le faire, donc avec sa maîtresse. Donc moi, à un moment donné, bah, je l'ai fait avec Lexi, et le truc, c'est que j'ai continué à lui faire, de lui demander gauche-droite. Ouh, elle se coince. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc là, je me tâte à essayer de trouver un coin tranquille pour essayer de filmer le contenu de la du sac, mais bon, je sais pas, parce que je veux aussi finir ma grande marche, donc je sais pas. En tout cas, je cavale un peu partout de manière hasardeuse. Et voilà. Pas de laisse, elle laisse sa liberté. Mais elle marche à mes pieds comme si elle avait une laisse. Normal. En tout cas, on va essayer de se rapprocher ailleurs parce que je sais plus du tout où on en est et je voudrais pas me paumer. Bon, je pense qu'on va arrêter là de filmer parce que là je commence à fatiguer et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, finalement on fera pas la vidéo de l'unboxing dans la forêt parce que ça, je le sens pas.